Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est 10h30 et j'ai réparti faire 2-3 courses. Moi j'attends des colis Amazon pour des perles encore, et je suis en même temps en train de nettoyer, donc là j'attends que cette partie-ci sèche pour attaquer la cuisine. Et voilà, je vais aussi aller me prendre une bonne douche quand il sera rentré, quand il sera rentré et qu'on aura rangé les courses. Je peux pas parler à quelqu'un d'autre qu'à lui, en tout cas. T'as fini la question qui voit là. J'ai un peu mieux dormi cette nuit, mais comme hier, j'ai dormi moins de 5 heures en 3 fois sur la journée. Donc, voilà, voilà. Hier, j'ai fait 2 bracelets pour ma nièce. Alors, je les ai fait tout petits parce qu'elle a des tout petits poignets. Mais voilà, j'ai fait ça. C'est très joli. Et j'ai fait celui-ci. Alors, il a une forme triangulaire à cause des petits nœuds, mais bon, une fois au poignet, ça ne le fera plus. Voilà, avec des petits nœuds en perles aussi. Qui étaient déjà faits, hein. Je ne me suis pas amusée à les faire. Voilà, elle aime le bleu, donc je l'ai fait en bleu. Et j'en avais commencé un autre. Je vous expliquerai pourquoi fin d'année. Mais encore une fois, j'ai trop tiré sur mon nœud. Enfin, je crois que j'ai trop cramé mon nœud cette fois-ci. Et que du coup, ça a fait fondre le fil... trop en fait, et que ça l'a pété. Yuki, alors du coup, bah je dois recommencer. Là j'attends les perles d'aujourd'hui, et j'ai vu un modèle de crucifix comment s'appelle, chapelet, j'ai un truc ici, je crois que j'ai été piqué par une bestiole, en perles justement, et je pense que je vais me le faire. Attendez, je regarde, j'essaie de voir dans le retour. Ça me fait mal. Mais je pense que c'est une piqûre que j'ai dû gratter pendant la nuit. Donc j'ai les yeux un peu rouges, hein, quand même. On va essayer de parler avec ce chien. J'arrive même pas à faire mon ménage. Hein, parce qu'il suit la machine. Je suis en train de nettoyer avec l'appareil Karcher, là. Il suit l'appareil. Il est un peu con. Riley, elle se barre. Dès qu'elle voit le haut, elle se barre parce qu'elle a peur. Et lui, il s'en fout. Faut que j'installe mes guirlandes aussi. J'ai reçu de mon hall Temu. Enfin, de Temu. De toute façon, comme je filmerai le haul probablement ici, vous verrez, ou sinon je mettrai un rendu pendant le vlog, et que je me serve des pinces élastiques là, qui sont normalement pour les draps, pour faire tenir ma housse correctement, parce qu'elle ne tient plus. J'aimerais bien la laver, le problème c'est que j'ai peur que ce soit hyper lourd dans la machine, quoi. Alors vraiment hyper lourd, parce que le tissu est déjà lourd, mais je pense que je vais faire ça quand même. Mais il faut que chérie... Oh, allez, filme. Oh, putain, c'est pas possible. Il faut que chérie me bouge la porte de la salle de bain qui est dans les toilettes en bas pour que j'ai accès à mon pendoir pour faire sécher mes essuie-vaisselle qui sont dans la machine pour pouvoir faire tourner une autre machine. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas trop. Je vais vous laisser là de toute façon parce qu'aujourd'hui, j'ai rien trop à dire. Ce week-end, j'ai sûrement mon frère qui va passer puisque c'était son anniversaire hier. Qu'est-ce que je voulais vous dire là, à l'instant même, que je viens d'oublier. Oui, on fera le Disney Challenge. Je le ferai soit lundi, soit mardi, soit demain. Je sais pas, je le ferai dans Vloxy en tout cas. Mais je dois vous avouer que je commence à saturer. Il faut que je parle avec Manon parce que je commence à saturer des Disney Challenge. On en a fait quand même beaucoup, ça fait plus de 3 ans qu'on les fait. Donc, voilà. J'en ai un peu marre de les faire. Parce que je trouve que ça devient un peu redondant. Je veux dire, c'est pas non plus des trucs hyper waouh comme dessins animés où on pourrait dire, par exemple, les Winx, c'est des fées, on peut partir sur le thème de la fée et tout ça. Là, le livre de la jungle, je suis absolument pas inspirée du tout. En plus, c'est des vieux dessins animés, donc les couleurs sont fades. Puis bon, là, à part faire un make-up tigre...
je veux pas trop. Et j'ai pas envie de le faire puisque je l'avais déjà fait. Donc je pense que je vais faire un make-up plutôt jungle en fait, partir juste sur le côté jungle du livre de la jungle et pas sur les personnages parce que je suis vraiment pas inspirée du tout. Et voilà. Donc je ne sais pas. Il faut que je voie avec Bichette, avec elle, parce que j'en ai un peu marre des Disney Challenge. Je vous avoue. Après, on peut toujours trouver un autre thème, hein. Plutôt que de partir sur les dessins animés, on peut partir sur les fleurs, les fruits, les légumes, rien que les couleurs, faire des make-up monochrome ou voilà, je ne sais pas. Je pars avec elle. Michette, si tu regardes ce vlog et que je t'en ai pas parlé, c'est parce que j'ai oublié. Hein, voilà, petite annotation, parce que des fois je dis il faut que je fasse ça et puis bah, j'oublie. J'oublie totalement les choses. Donc, puis là, comme j'ai un week-end, je sais pas trop comment ce qui va se passer. Donc voilà. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Demain, je vous montrerai les perles que je reçois aujourd'hui. Elles sont. Enfin, elles ont l'air. J'ai cru que c'était Ryan qui avait pété, c'est Riley qui fait un bruit bizarre. Elles ont vraiment l'air canon. Donc voilà. Ce qui m'emmerde un peu, c'est les tailles. Il y avait que 6. Il y avait que 6 mm et 10 mm. Je crois que j'en ai quand même trouvé une sorte en 8. Mais maintenant, je préfère quand il y a. Quand il y a plusieurs tailles de la même couleur pour pouvoir faire des belles choses. Ah oui, j'ai fait ça. Je sais pas. Non, je voulais pas montrer encore. J'ai fait celui-là aussi. Donc toujours avec le même style de perles là. Et j'ai alterné, j'ai fait trois petites. Attendez. Donc c'est qu'il est le. Parce que je vois pas bien. Trois petites, deux moyennes et une plus grande. Et puis j'ai fait tout le tour comme ça, pareil. Et ce que je vais faire, je vais en faire un de chaque couleur de perles. Comme ça, j'en aurai plein autour du poignet. Que j'adore. J'étais en train de regarder mes perles. 400 perles de 10 mm, 500 perles de 6 mm, 1000 perles de 6 mm. Ah oui, et j'ai commandé des fils à broder pour essayer de faire un peu les bracelets genre macramé. Ah! Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'espère qu'ils seront un peu moins épais. Le problème c'est que bon là ici ça va, je prends du 1 mm du fil 1 mm hein, fil comme ça 1 mm ou 0,8 parce que c'est ce que j'ai pour faire des comme celui que j'ai fait pour ma nièce ici par exemple, je prends du 0,6 puisque ici par exemple vous voyez on doit croiser donc je dois passer deux fois le fil dans la même perle et si je prends du 1 mm dans les rocailles ouais, les rocailles ça passe absolument pas. Donc c'est extrêmement chiant et j'ai toujours peur que ce soit pas assez costaud. Il a l'air, hein, mais voilà. J'ai un peu peur. Je ne sais pas quel fil prendre. Il faudrait que je demande à Jessica. Je vous mets son Instagram bijoux en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elle fait des superbes trucs en perles, surtout en rocaille là. Elle fait des superbes trucs et elle les vend. Donc si ça peut vous intéresser, je vous mets son compte Insta bijoux. Voilà. Bon, allez, je vais achever mon ménage. Donc sur ce, nous, on suit toujours.
Alors, il est 8h, tout simplement. Hier, je ne vous ai pas pris en face cam. Je suis très jaune. Parce que j'ai juste fait mes ongles. J'ai pas foutu grand-chose hier. On a attendu mon frère qui devait passer avec les enfants pour que je puisse donner les bracelets à ma nièce. Sauf que ma nièce m'a envoyé un message en me disant, écoute, il vient de s'endormir dans le canapé. Bah, je dis, écoute, laisse-le dormir. Ça va lui faire du bien. Donc on a attendu pour rien. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Là, j'ai déjà été à la douche, j'ai fait mon yoga, j'ai fait du montage. Là, je vais me poser un peu devant mon jeu pour essayer de me réveiller un peu parce que je suis claquée et j'attends plein de perles d'Amazon par le facteur. Et j'ai une des dernières commandes qui n'arrive pas en terrestre. Donc, de chez Temu. Et. Mais t'es con ou quoi? Non, dégage, t'es tout mouillé. Qu'est-ce que t'as été foutre? Allez, file, t'es trempé. Je suis toute propre là. File, t'es. Non, non, non. File, t'es tout mouillé. Allez, zou, dégage. Trempé. Et. Je pense que comme ça, je pourrais clôturer le haul. Et ce qui arrive en terrestre, je vous montrerai dans les vlogs parce que c'est très long, mais vraiment très long. Donc, ouais, je vais attendre. Je vous montrerai dans les vlogs, quoi, tout simplement. Hier, j'ai fait un peu de perles. Alors, je me suis pris la tête avec. Je voulais absolument faire. J'avais vu une vidéo pour faire un chapelet. Et finalement, je me suis dit, je vais pas le faire en chapelet, je vais juste faire la croix. Mais alors, c'était une galère à faire. Elle n'est pas tout à fait droite. Mais elle est très belle. J'ai reçu ces perles-là d'Amazon. Alors, elle est assez grosse, hein, mais c'est très beau. Et faire le modèle en plus petit, je pense que c'est pas possible. Parce que. Je sais pas. Faudrait que je trouve un système pour la faire un peu plus petite, peut-être. Mais j'aime beaucoup. Bon, après, il faut aimer les croix. Hein, voilà. Faut être croyant. Mais je l'aime beaucoup. Elle est vraiment canon. Je me suis également fait une bague avec mes petites perles là que j'ai. Voilà. Et j'ai fait ce bracelet là. Je vais le mettre un peu plus simple. Hailey! Voilà. Là, je pense que je vais en faire un pour ma kiné. J'ai chez la kiné tout à l'heure, puis après elle part en vacances. Donc je pense que je vais en faire un pour ma kiné. Oui, bah oui, je les ai. Riley! Allez jouer dehors! Prout, va les mettre dehors. Va les mettre dehors. Oui, va les mettre dehors. Je ne sais absolument pas parler avec ces chiens. J'ai reçu mon éclairage aussi que je voulais mettre là en rideau. Mais finalement, je vais le mettre dans mon bureau. J'irai faire ça après, comme ça je vous montrerai demain. Parce que demain, on va filmer. Alors, j'ai parlé avec Manon et je lui ai dit que je saturais un peu pour les Disney Challenge. Je trouve qu'on a un peu fait le tour en 3 ans. Hein, c'est comme je vous expliquais. Donc du coup, à la place, on va faire deux fois une palette de make-up. Voilà, tout simplement. Parce que c'est ce que je préfère faire question make-up. Ça me permet d'utiliser mes palettes que j'utilise pas, de voir si je les garde ou pas, et ce genre de choses. Donc on en fera deux par mois. À la place du Disney Challenge, vous en aurez un deuxième. Mais ils sont chiants. Ils ne savent pas les jouer dehors. La porte est grande ouverte, ils ne savent pas les jouer dehors. Et donc demain, on fera celle qui était prévue normalement pour le mois prochain, qui est la 24A Artiste Passe de Morphe. Et comme ça, on verra elle dans sa vidéo que je vous mets bien sûr en barre d'infos, celle qu'elle aura choisie pour la prochaine fois. Et moi, je l'incorporerai encore dans le vlog. Ils sont cinglés.
Alors j'ai reçu des gummies à tester. Hop là, hop là, hop là. J'ai pu choisir trois vitamines tout simplement. C'est une marque allemande, c'est Beers with Benefit. Beers with Benefit. Les packagings sont trop cute, je trouve, surtout celui-là. Voilà, en dégradé comme ça, moi, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Hein. J'en ai pris une au matcha, donc vous avez du B12 et du zinc. Et il faut prendre deux gummies par jour. Tout simplement, donc je vais les préparer pour les prendre juste après. Hein. Voilà, c'est des petits oursons, hein, bien, comme son nom l'indique. Ils sont très bons, ceux-ci, hein, parce que je vais vous en montrer un autre, je ne sais pas les manger. Donc c'est deux par jour que je prépare. Non, pas mes pantoufles. J'ai pris celui-ci à la kératine. Voilà, nail les cheveux, enfin ongles et les cheveux. J'ai pris de la kératine parce que ça permet de soigner mes cheveux. Et là, normalement, c'est 4 par jour. Alors, autant vous dire que moi, je vais en prendre que 2 par jour parce que 4, ça me ferait 6 gummies par jour. Ça me fait mon repas, quoi. Limite, avec ma sleeve, je peux pas faire Elton Road. Tout mignon, les petits oursons. Et elles se chiquent bien et tout. Il n'y a pas de... Elles font pas un effet bizarre dans la bouche. Et j'avais pris celui-ci, Greens. Je vais le donner à Manon pour si elle veut le tester. Moringa et Jersey, je ne sais plus. C'est 8 légumes verts, je crois. C'était 2 par jour aussi. Mais alors, je ne sais pas les manger. Elles sont infectes. Déjà, ça pue. Mais elles sont infectes. C'est un goût, je ne supporte pas. Bon, après, les goûts sont personnels. Hein, mais je pense que vraiment, je peux pas. Franchement, je peux pas, j'ai des haul-coeurs, je les ai testés hier, j'ai eu des haul-coeurs et tout. Je ne sais plus quel goût elles sont censées avoir. Bah écoutez, on va aller sur le site et puis je vais vous dire un peu plus de détails quand même. Hein, parce que... Mais on en reparlera quand j'aurai terminé la cure. Alors, attendez. Donc c'est, comme je vous ai dit, une marque allemande. Heureusement qu'il y a la traduction. Attendez, je vous recule. Vous allez être un peu bancale. Non, ça va. En ce moment, ils sont en 2 plus 1 gratuit. Donc le troisième offert. Ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi les trouver chez DMA. Ça, je ne savais pas. Donc quand j'irai chez DM, je regarderai ceux qu'ils ont. Sur Douglas, Rossmann et Budni, je ne connais pas du tout. Alors j'ai pris, il y en a plein, j'ai eu du mal à choisir, mais j'ai vraiment essayé de trouver ce qui me convenait le mieux. Il y en a plein qui m'intéressaient, hein, mais voilà, de toute façon je pouvais pas toutes les bouffer non plus. On va commencer par les cheveux. Riley, vous savez, la kératine, la biotine, bah, les verres là, ça fait aussi complément alimentaire sur mon main, hein, avec de la kératine et du zinc. Il y a du sélénium, cuivre et biotine. Vous avez 400 mg de kératine hydrolysée par portion, arôme naturel de pêche sans sucre, 4 oursons par jour. Donc comme moi je vous l'ai dit, alors plus vous prenez de boîtes, plus vous avez une réduction. 2 boîtes c'est 10%, 3 boîtes c'est 15%, 4 boîtes c'est 20%, 100% satisfait ou remboursé. Livraison et retour gratuit en Allemagne. Moi je l'ai reçu hyper vite, le lendemain ou le surlendemain, j'avais le paquet quand je lui ai dit ce que je voulais. Et voilà, j'ai pris le matcha. Ils savent pas aller jouer dehors. Matcha, il est là. Vitamine B12, zinc, coenzyme Q10 et poudre de matcha. Le zinc contribue au métabolisme acido-basique normal. Contient 150 mg de poudre de matcha par dose quotidienne. Alors le matcha, je ne sais pas exactement ce que ça apporte. Végétalien, sans sucre et au goût d'orange.
Alors vous avez plus de détails sur le site, hein, n'hésitez pas à les voir, je vous le mets en barre d'infos également. Et on en reparlera dans une quinzaine de jours. Et alors les greens là, c'est 8 légumes verts populaires dans une canette. Végétalien, complexe de vitamines et de minéraux, orge, moringa et 6 autres légumes verts et végétaliens. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Alors je ne sais pas trop à quoi ça contribue. Attendez, je regarde si information sur le produit. Système immunitaire. Il y a de l'acide folique aussi. Continuer à réduire la fatigue et l'épuisement. C'était pour ça que je l'avais pris, mais je sais pas les. C'est impossible, je ne sais pas les manger. Et ça. Attendez, hein. Contribue à une fonction cognitive normale. Myrtille framboise. C'est peut-être un myrtille hein, qui me fait cet effet-là, parce que je ne suis pas très fan de myrtille de base, donc voilà. Mais voilà, je remercie la marque. Franchement, moi je vais prendre les deux là sans aucun souci. Ils sont super bons. Donc, sauf que là, bon, je ne prendrai pas la dose quotidienne recommandée parce que c'est juste impossible pour moi avec mon estomac. Mais bon, comme ça, j'en aurai deux fois plus. C'était vraiment pour la kératine, pour réparer un peu mes cheveux et aider un peu à la pousse. Et les verres, ma foi, je les donnerai à Manon pour qu'elle les teste. Manon, c'est ma poubelle. Hein. Voilà, tout ce que je ne dise pas, c'est elle qui les récupère. J'en ai goûté qu'un, j'ai même pas su l'avaler. C'est dommage parce qu'il était très intéressant, surtout pour la fatigue. Mais deux vitamines par deux sortes de vitamines par jour, c'est déjà pas mal. Donc on en reparlera dans le vlog du 10 août. Voilà. Mais ces chiens sont complètement cinglés. Donc je vais clôturer la journée là tant que Riley est dehors, j'allais dire, mais elle vient, revient chercher. J'en peux plus, ces chiens. Ils m'épuisent. Ils me fatiguent d'être énervés. Oh là là, ils se coursent l'un l'autre dans le jardin, dans la maison et tout, ça court partout. J'allais dire faites des gosses, mais bon, c'est presque pareil. Hein. Voilà. Je réfléchis, mais j'avais rien d'autre à vous dire. Faut que je range les trucs qui sont sur la table que j'avais préparé pour mon frère. Vu qu'il n'est pas venu, j'ai préparé des céréales Lyon que Sam n'aime pas. Et les cafés Dolce Gusto Expresso, puisque maintenant on a la machine à café qui fait les expressos et qu'il a adoré. Je lui ai fait goûter quand il est venu samedi. Et je vais aller gueule avec le truc dans la gueule quoi. Oui mon propos, c'est pas l'heure encore. Encore un peu. Reste encore un peu. Bientôt tu vas manger à 6 h du matin. Oh les jeunes te fatiguent. Il est désespéré le pauvre con. Les jeunes te fatiguent. Oh mon pauvre bébé. Oh mon pauvre bébé. Ah, toujours tout le temps les fesses. Hein. Ah tu veux qu'ils aillent dehors? Je veux jouer avec dehors. Oh ils veulent pas sortir. Il est encore énergique de temps en temps, papy. Là, il joue avec Cranky, donc on doit avoir Riley qui tire la gueule, en fait, qui va s'en mêler. Qui a été récupéré. Riley, arrête d'aboyer. Bon allez, sur ce, on se dit jour parce que c'est pas très calme. Hein. Alors il est 7 h 30. Yuki, laisse-la tranquille, merci. Et on va donc passer au une palette à un make-up avec la 24A Artist Pass de Morphe. Je vous mets la vidéo de ma petite bichette en barre d'infos. Et on verra dans sa vidéo laquelle elle choisit pour la prochaine fois. Et j'ai envie d'utiliser cette couleur-ci. Voilà, c'est peut-être pas forcément de saison. Mais on va utiliser les deux là, celui-là et celui-là. Voilà. Je pense que là, on sera plutôt
pas mal. Je sais pas trop qu'est-ce que j'en vais faire d'ailleurs, mais on va le faire tout simplement. Donc j'ai déjà blendé ma base et alors hier cette nuit, enfin je sais pas quand, ça date d'hier parce que je l'avais encore hier matin, j'ai perdu ma boucle d'oreille bébé Yoda. Je suis en train de chercher partout après depuis tout à l'heure, je la trouve pas. Elle est pas dans mon lit, elle est pas dans la douche, elle est pas dans mes vêtements d'hier. Je suis décomposée. Tout à l'heure j'avais envie de pleurer. Ça m'énerve. Je ne sais pas du tout où elle est. Alors je vais commencer avec un gros pinceau fluffy et je prends le celui-ci. Je suis dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée pour cette boucle d'oreille là. Donc là je tartine partout. Mon creux, ma paupière. On intensifiera ce qui doit être intensifié après. J'ai mon estomac qui fait des bruits chelous parce que je viens de boire d'un coup le reste de mon café. Je dois tourner après la fin du haul Temu. J'ai toujours pas reçu les produits terrestres, enfin qui viennent par livraison terrestre. Donc ça on verra dans les prochains vlogs. Ça y est, ça va piétiner. Et qu'est-ce que je vais encore vous dire? Ah oui, j'ai reçu. La première box Pélouise a été enfin envoyée, donc j'ai trop hâte de la recevoir. J'ai hâte de voir si je vais avoir des frais de douane, ce qui m'étonnerait que j'en ai pas. Ce serait vraiment étonnant. J'espère juste que j'en aurai pas à chaque fois. Voilà, on va voir, hein, ma foi. Et voilà. Hier, j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de ma bichette et le premier truc pour le swap calendrier de l'Avent. Donc j'ai hâte de faire celui-là, de le préparer. Et hier j'ai passé plus d'une heure à faire un bracelet avec des perles de rocaille et pour faire des petites fleurs. Sauf qu'en coupant mon fil, je l'ai coupé au mauvais endroit et ça, parce que j'avais pris du fil de pêche, ça a tout foutu en l'air. Donc maintenant je vais prendre le violet ici plus foncé, je porte le même pinceau pour l'instant. Et je vais mettre ça sur la partie, sur les deux tiers de ma paupière, en blendant bien au milieu. Il y a Yuki qui piétine à droite à gauche. Je vais l'étirer par là aussi, bien blender ici. Yuki, qu'est-ce que t'as encore trouvé à bouffer? C'est quoi cette pause? Ce chien. Donc aujourd'hui, je clôture ce vlog-ci que vous aurez demain pour moi. J'espère que ça vous plaît, que ça va vous plaire de faire deux vlogs par semaine comme ça. Et d'inclure ben, les vidéos make-up et tout ça dedans. Je trouve ça beaucoup plus cool. Donc on va voir ce que ça donne, hein, écoutez. On va voir, on va voir. Mais pour l'instant, ça me plaît bien comme ça. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé faire deux vlogs par semaine quand j'avais fait le calendrier de l'Avent de l'année dernière en vidéo. Donc là, je vais prendre un pinceau fluffy pour blinder. Parce que vous voyez, le make-up, j'ai pas grand-chose à vous dire à chaque fois. Donc faire que des vidéos make-up, ça devenait vraiment très redondant. J'ai pas envie d'arrêter totalement le make-up parce que ben, c'est ce que j'aime, hein, tout simplement. Mais je m'éclate tellement plus en vlog, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais prendre ben, toujours le même pinceau. Je prends le lumineux ici. L'autre côté pour qu'il reste à peu près propre. Je mets ça sur la partie interne de ma paupière. Il est vraiment très haut. Voilà.
Et bah, toujours avec le même pinceau, je vais prendre les petites paillettes violettes ici. J'espère qu'elles tiennent encore parce que la palette est quand même assez vieille. Et je mets ça où j'ai mis le violet le plus foncé. Genre elles tiennent. Voilà, j'y vais au pinceau, donc c'est plus discret que si j'y allais au doigt. Mais ça va. Ça pétouille. Ouh, je pétouille. Je vais prendre un pinceau pour le coin interne. Et je vais mettre le blanc ici, qui a des petits reflets bleus, mais bon, ça ira très bien que violet. C'était mon estomac. Il va faire que des bruits chelous comme ça. Tant que j'aurais pas digéré mon café. Alors j'aimerais bien essayer de mettre les petites étoiles, mais le problème c'est qu'elles tenaient déjà pas à l'époque. C'est très sec et c'est très dur de choper des étoiles. Vous voyez, elles tiennent pas. Mais bon, tant pis, je vais mettre juste une petite paillette. D'ailleurs, je vais en mettre un peu ici. C'est la fête à la paillette aujourd'hui. Bon, allez, j'en mets partout. J'ai envie. Elles sont tellement belles, ces paillettes. Elles ont plein de reflets. J'aurais pu me rapprocher un peu, hein. Donc, je lave mes pinceaux aussi aujourd'hui. Donc, voilà pour les fards. J'ai une paillette sur mon cygne. Alors, je vais prendre mon petit tiroir à bordel. Je vais prendre mon. C'est le Essence Permirt, mon miroir, et en dessous de tout mon bordel, mon miroir à main. Donc, vous allez peut-être pas forcément voir très bien. Je vais essayer quand même de me cadrer un peu. Moment de concentration. J'ai oublié de mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Mon estomac va faire la fête toute la matinée. Oui, là, j'ai pas trop parlé en faisant de liner, hein. C'est pour ça qu'en principe, je coupe cette étape. Je fripe de plus en plus ici, Marie. Ça devient compliqué le liner. Ben voilà. Faut juste que. À chaque fois, je dois épaissir un peu ici à cause de justement de Marie de l'autre côté. Hein. Yuki, qu'est-ce que tu manges? Crayon noir en muqueuse supérieure. Yuki? Alors non seulement il mange un truc, mais en plus il mange comme un gros dégueulasse. Petit recourbe-cils. J'ai retrouvé goût recourbe-cils, quand j'oublie pas. Puisque
que ça fait un moment que j'ai pas fait. D'ailleurs, il faudrait que je jette mes produits de recourbement de cils là, parce qu'à mon avis, ils sont plus. Doivent être périmés. J'aurais dû les changer il y a quelques mois déjà. Mascara. Alors, je vais donner une première couche avec celui-là et puis je mettrai l'autre par après. Les cils du bas. Mon estomac. Le Queen, le Call Me Queen. Mascara fait pour moi. Je parle du nom, hein, bien évidemment. Bah après, j'aime beaucoup ce mascara. Faudrait que je me décide à préparer mes favoris aussi pour faire la vidéo. Alors j'aime beaucoup tourner cette vidéo, mais j'ai horreur de la préparer. Et j'ai horreur après, parce que je dois tout ranger. Comme j'ai des favoris dans toutes les pièces de ma maison, je dois à chaque fois chercher partout après. C'est pour ça que je fais toujours une liste pour pas oublier. Enfin, de toute façon, je fais des listes pour tout. Ah, oh, faut que je vous raconte hier, en partant chez Akini. Je suis tombée sur un monsieur devant les apparts qui était appuyé sur la voiture. Du coup, quand il nous avait arrivé, il a dit désolé et tout. Et puis après, j'ai discuté avec lui parce que je lui ai demandé justement s'il habitait dans les appartements parce qu'il me parlait des poubelles. Je vous affiche les photos des poubelles qui sont devant les appartements. Donc les poubelles étaient là depuis avant-hier et les poubelles ne passent qu'aujourd'hui. Normalement, on est censé les sortir que la veille à partir de 18h. Et du coup, j'ai discuté avec le monsieur, puis il me dit non, on n'habite plus là, on habitait là avant. Je vais mettre ce crayon-là des Célébrates, je crois, ouais, de chez Révolution. Et ils disent on a déménagé, mais là, on est en vacances chez sa belle-sœur au monsieur. Du coup, je dis, bah, par hasard, vous n'avez pas le numéro de la copropriété. J'ai parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je cherche, que je ne trouve pas, parce que je n'ai pas le nom de la copropriété, parce que j'aimerais bien justement faire passer le message à cause des places de parking devant. Et il me dit, oui, je comprends pas. En fait, les appartements, ils ont par appartement une place de parking à l'arrière avec l'achat de la... l'appartement et une place souterraine, mais ils se gardent tous devant. Alors je dis au monsieur, je dis, je suis quand même déclaré handicapé, j'ai beaucoup de mal à marcher et je dis des fois on est garé à presque un kilomètre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Des fois on est garé en France. Bon d'accord, on n'habite pas loin de la frontière, mais quand même. Faut vraiment que j'essaye de voir pour les papiers, pour faire la carte handicapée, pour essayer de pouvoir avoir une place devant la porte. Enfin bref, ça c'est une autre histoire et je ne sais pas du tout par où je dois passer, faudrait que j'aille voir ma mère. Et il me dit oui, c'est vraiment pas normal et tout. Donc du coup, il m'a fait rentrer dans le hall des appartements et il m'a donné, enfin j'ai pris une photo des coordonnées de la copropriété, donc adresse mail, téléphone, adresse et tout. Comme ça, je vais pouvoir envoyer un mail. Je vais mettre ce truc-là sur mes lèvres. Et puis voilà, on aura fini le make-up. Qu'est-ce que je l'adore, ce truc-là? Ouais, tout...
Donc une grâce incroyable. Vicky, tire-toi de mes affaires. Et du coup, bon, je vais prendre le petit liner de chez Action là pour faire une petite fleur violette. Faut encore que je tourne le réel avec ça. Je le ferai demain, je pense. Et voilà. Donc je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, vous voyez un petit peu mieux quand même. On en est où? On en est où? On en est où? Et c'est bon. Donc voilà pour le make-up. Je sais pas si vous voyez les paillettes, mais oh là là. N'est-ce pas? Voilà. C'est un make-up assez simple, assez soft, mais c'est un make-up. Et après, je vais essayer de mettre les guirlandes. Là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si je vais aimer ou pas. Donc, je verrai bien. Je vais d'abord tourner le haul, comme ça. Après, je peux la fixer là. Et on verra ce que ça donne. Je verrai ce que ça donne en vidéo et en réel. Et voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Cette palette-là, je l'aime toujours autant. C'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a... j'ai les teintes similaires partout. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Bon, après, ça reste principalement du nude hein, sur celle-ci. Quoique celui-ci, il est canon. C'est des nudes quand même bah, que j'aime beaucoup. C'est vraiment les teintes nudes que je préfère, on va dire. Là, c'est des highlighters ou, bah, comme vous avez vu en coin interne, les paillettes et tout ça. Ici, vous avez les néons et les paillettes assorties à chaque fois. Et voilà, avec rien qu'avec celle-ci, vous mettez ça partout et à chaque fois les paillettes assorties par-dessus, ça fait vraiment des jolis make-up. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup cette petite palette. C'est une des seules de chez Morphe avec la Nikita. Non, la Nikita, je l'ai même plus. Si, je l'ai encore ou pas? Ah oui, je l'ai encore. Ça me va bien. C'est les deux seules palettes Morphe qui me restent et que j'aime. Voilà. Donc moi j'allais voir la vidéo de ma petite bichette pour voir quelle palette elle a choisi pour la prochaine fois. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit hier, ça sera tous les 15 jours une palette de make-up puisque j'ai saturé avec les Disney Challenge. Donc voilà, j'espère retrouver ma boucle d'oreille. Priez Saint-Antoine de Padoue avec moi pour que je retrouve ma boucle d'oreille. J'aime bien celle-là aussi, hein, mais oh, là c'est bébé Yoda quoi. C'était vraiment symbolique et bon, après ma préférée restait là. Heureusement que j'ai pas perdu celle-là, mais je suis dégoûtée. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle peut être. J'espère que je l'ai pas perdue dans la chez la kiné. Mais bon, en nettoyant la table, elle l'aurait vue. Peut-être que j'arrive à la retrouver tout à l'heure dans la voiture, mais je vois pas comment est-ce qu'elle aurait pu tomber de la voiture, enfin dans la voiture. Pour l'instant, j'ai mis celle-là, mais je suis dégoûtée. Bref. D'ailleurs, la boucle d'oreille va très bien avec mon top. Bref, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce make-up, si vous aimez cette palette, si vous aimez le fait d'avoir deux vlogs par semaine. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on monte. Et bah, on se retrouve samedi pour un autre vlog. Et lundi, je ne sais plus, je vous dirai ça dans le prochain vlog. Voilà. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous!